Bonjour tout le monde. Donc, on va créer l'application, donc Crude Application using Angular 6. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire ce formulaire-là pour. On a Add Student. Là, ça va afficher, me permettre d'ajouter des étudiants. Et là, on va faire List Student après pour afficher la liste des étudiants. D'accord? Donc, comment on va faire? Là. On va créer ng gs entities étudiant. Gs étudiant service. Ça, on va créer un service. Donc, ngs service. Là, en principe, il va créer un service étudiant là. On va supprimer ça. Et on va créer une classe, un modèle là. NGG classe. Entities étudiants. Là, je me suis trompé. Donc, ce qu'on va faire là, donc on a créé une entité là. Modèle là. Donc, on va supprimer ça. Et là, on va juste copier-coller ce code là. Et on va faire pour l'étudiant, d'accord? Ce qu'on aura, on a le nom, le prénom, la date de naissance, genre, adresse, email et téléphone. Donc, ça va. Enregistrer. Donc, on va créer ng component étudiant. Ngg créer étudiant notre component va créer la liste étudiant. Ok, donc ce qu'on a créé, donc on a créé la. Je vais supprimer ça. Et là, étudiant. Liste étudiant. Là, on va supprimer. Supprimer. D'accord? Donc, comment on va faire? Là, c'est dire ici. J'ai créé là mon menu là. Menu component. Dans mon menu component, ça c'est ma template. Et là on a ajouté
student, alors on va l'appeler étudiant. Voilà, on va laisser student, c'est pas grave. Student. Dans student, on a ajouté deux routes là pour là. Ça, c'est student. Pour l'ajout des étudiants. Et la students pour la liste des étudiants. Students. Donc là, ce qu'on va faire, là, ça, on a déjà vu comment faire le routage dans une template, dans mon ex-vidéo là, intégration de template avec Angular 6, donc ça c'est le menu. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire ma page, ici, ma page app.component, elle va me faire une redirection app menu. Donc là, app menu c'est quoi? Donc app menu là, donc c'est le secteur là, app menu. App menu va m'envoyer sur menu component.html. Menu component.html c'est ma page, ma template. Ok? Donc ici, donc comment je vais faire le routage ici dans app modules. Dans app module là, je vais ajouter, donc là je vais accueillir, donc ok, donc là c'est, on va supprimer donc étudiant component, étudiant component, ctrl c. Ici, je vais mettre student. Là, c'est CTRL-V là. Là, aussi, students. Students. Va m'envoyer à la page liste étudiant component. CTRL-C. Donc, au démarrage, je vais aller dans la page component. La page component accueil va m'envoyer vers la page component. La page component va m'envoyer vers le menu. D'accord? Donc, ça, page component, là, c'est ça en principe. Page component. Page component, c'est quoi? C'est moi, dans ma page component. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la page de démarrage. D'accord? Donc là, on va aller maintenant programmer étudiant. La page étudiant.html. C'est-à-dire, moi, si je lance maintenant mon projet, normalement, qu'est-ce que je vais voir? Je vais faire ng serve-open. Donc, là, c'est le code de ma page. C'est l'accueil là. Quand je fais add student, je vais avoir étudiant works. Et quand je fais list student, je vais avoir list student works. D'accord? Donc maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Il faut aller dans la page student, ici, par étudiant component.html, et mettre mon formulaire là. Donc je vais, j'ai déjà un formulaire là, que je vais essayer de copier-coller. Donc là, CTRL A. CTRL C et on va le mettre ici. Étudiant component. Donc là, je vais supprimer ça, CTRL V.
Celui-là va changer un peu. Donc là, j'ai supprimé NG Model pour le moment. Supprimer tout ça. NG modèle ici, de même si je l'ai supprimé. Je vais supprimer NG modèle ici. On va voir c'est quoi NG modèle. Donc je vais sauvegarder ça. Je vois que ça va donner. Donc, si j'ai fait, donc je vais relancer là. Donc, vous voyez là, il a affiché mon formulaire. D'accord? Parce que là, si j'ai fait, là, il va m'afficher la page de démarrage. Et si j'ai fait Add Student, il va m'afficher la liste l'ajout des étudiants. OK? Donc là, si j'ai fait Home, ça va afficher la page de démarrage. Donc, on va aller dans le code ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a créé un service qui s'appelle Étudiant Service. Donc, étudiant service que je vais faire. Donc, je vais importer. Là, je vais importer CTRL-C là. Étudiant service. CTRL-V. D'accord. Maintenant, on va essayer d'injecter Firebase dans notre projet. Donc, comment on va faire? Donc, on va aller à Firebase console là. Là, on va créer. Là, donc, ça, c'est notre projet. Console Firebase. On va acheter un nouveau projet là. Donc je vais l'appeler test Angular 6. J'accepte. Créer le projet là. Continuer là. Donc,
ajouter Firebase à votre application Webler. Et je vais copier ce code-là. CTRL-C. Je vais aller dans mon projet ici. Je vais aller dans Environnement. Dans Environnement, je vais copier ce code-là, ici. CTRL-V. OK. Enregistrer. Donc, en principe, ça va. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici. Donc là, ça va. On va aller maintenant. Donc, ça va. Donc, je vais aller là. On va aller database. On va aller dans Règles, hein. Ça va donc. OK. Donc là, mon projet est écrit. D'accord? Donc, comment on va faire là? On va aller revenir dans mon projet ici. Et là, donc on va aller dans notre service ici. Service. Voilà. Donc je vais copier, passer en service. Je vais prendre presque. Qu'est-ce qu'on a fait? On va importer l'Angular Firebase. Là. On va faire donc import Angular Firebase Database et Angular FireList. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va CTRL-C, là on va aller dans exporter, dans export, et on va donc là on va créer Select student. 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 New student. 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 Là, je vais l'appeler student minuscule. New student. Student. Donc là, faut importer, on va faire import student from entities student model. Donc là, en principe, il fallait acheter. Pourquoi ça ne marche pas? En principe, ça doit marcher. En principe, CTRL-C, donc, ça doit marcher. C'est student.
student.model. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, j'ai appelé étudiant. J'ai appelé étudiant. D'accord. Là, il me dit, il faut faire n'importe. On a collégé, là, c'est pas student, voilà. C'est étudiant, donc, oui, d'accord. Ça, c'est clair. Donc, là, on va faire CTRL-C. Étudiant, là, au niveau du constructeur, on va faire ça. Et on va ajouter les méthodes. Donc là, je vais ajouter méthode getData et méthode add. CTRL-C. Donc, get, je vais faire l'expression étudiant liste. Étudiant liste égale Firebase étudiant. Là, on va faire étudiant pour liste. Là, c'est le nom de ma collection de données appelée étudiant, d'accord? Étudiant liste. Liste de mes listes étudiants. Donc, ça, c'est pour récupérer la liste des étudiants. OK. Idem, on va ajouter la méthode add. CTRL-V. Et là, ça va être étudiant. 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 Là, ça va. Ça, on va le voir après. Donc, ça, ça va. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va aller. Donc, là, j'ai ajouté la méthode get. Donc, pour moi, OK. On va aller ajouter. Donc, là, en principe, on va aller. Activer les méthodes add étudiant au niveau de component. Donc là, on va aller étudiant component. Là, CTRL-V, on a la méthode add. Est-ce qu'on a, il faut aller importer avant tout. On va importer ici donc, ce qu'on va faire, on va copier ces lignes là CTRL-C et on va le mettre dans étudiant component. Donc on va importer et on va importer notre service student étudiant service. C'est là, c'est étudiant service.
service. Là, on va importer un JForm en Angular Firebase et on va importer notre modèle qui est étudiant. L'étudiant. Form étudiant modèle. Étudiant modèle. Là, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Là, this étudiant. Donc là, add étudiant là. Étudiant. Là, c'est instancier la classe. Donc, je vais instancier ma classe ici. Bon, donc, je vais faire là. CTRL-C là. Donc là, on va aller dans étudiant component. Et là, on va instancier la classe. On va l'appeler étudiant. Étudiant, étudiant. You, étudiant. Donc ici, de même, ce que je vais faire, c'est on va importer notre service. On va mettre le constructeur là. Donc c'est là, c'est patient service, donc c'est étudiant service là. Étudiant, étudiant service. Et là, c'est étudiant service. Étudiant service. Donc, qu'est-ce qui manque? Là, on va vers 10. Étudiant. Si le if this étudiant pour qui égal à nul, c'est-à-dire, on va ajouter une autre. Étudiant. On va faire l'ajout d'étudiant. If étudiant. Étudiant. Là, on va service add étudiant. Étudiant. Et là, c'est étudiant. On va voir. Donc, il y a une faute. Il a 10 étudiants. Une fois il a ajouté, il va 10 étudiants. 10 étudiants. Là, apparemment, il y a une faute au niveau de service. Service étudiant. C'est add étudiant. Donc, si je vais aller dans ma page étudiant.component, étudiant, là, c'est ici, étudiant, c'est étudiant. Donc, qu'est-ce qui manque? Donc, ça, c'est, j'ai un étudiant, c'est que j'ai besoin. Donc, là, en principe, donc là c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on va ajouter là maintenant?
ici, on va aller dans ma page compound.html. Donc tout à l'heure, j'ai supprimé certains codes là que j'ai essayé. Donc là, donc ça c'est étudiant. Là c'est étudiant. Là, idem, on va changer de mot étudiant là. Donc là, étudiant. Je vais expliquer le code après. Donc ça, le prénom d'étudiant. Donc là c'est add et là c'est add étudiant. Là, bouton modifier, bouton supprimer, on n'a pas encore fait le code, donc je vais le supprimer. Et là, on va supprimer ça ici. Donc, tout calculé, qu'est-ce qu'on a fait là? On a créé un autre formulaire là. Je l'ai appelé passion form. D'accord. Là, j'en ai la clé là qui est cachée. Puis on a le nom, c'est ng modèle étudiant. Donc ça remplace dans la programmation classique input text. Donc c'est donné, d'accord, ng modèle pour faire le binding entre l'entité et le formulaire là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a le nom, date naissance de type data. Donc on a fait ici le genre là. OK. L'adresse, l'email et le numéro de téléphone. Puis on a ajouté le bouton add et delete et reset. OK. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, en principe, le delete ne peut pas être actif au démarrage. Donc, comment je vais faire ici? Donc là. Donc là, tu dis au component, là on va acheter ça. Et là on va supprimer. C'est étudiant service. C'est-à-dire si. Yes, right.
qui est différent de lui, il va afficher le bouton Delete. OK? Donc, on va voir ici. Là, on va voir. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, si je fais Add Student, là. Donc moi, je vais activer la console pour voir s'il y a des erreurs là. Follen. Là, c'est, on va faire la date de naissance. Ok. Masculin. Tennis là. Email gmail.com gmail le téléphone c'est n'importe quoi, d'accord. Si j'ai fait reset là ici, donc, en principe ça marche pas. Il dit là, étudiant.com.push, il y a une erreur au niveau de étudiant.com.ts. Donc, d'accord. Donc, il est là, Donc, parce qu'on n'a pas ici, je l'ai fait exprès. Parce que là, au niveau de étudiant service, je dois ajouter ça. Dans mon constructeur, je dois donner un nom à ma collection de données là. Donc, je vais dans patient, dans étudiant service, dans mon constructeur, CTRL-V, je vais faire liste, étudiant liste, étudiant-liste, liste, étudiant. Ça, c'est nom, étudiant. D'accord, je vais enregistrer et je vais refaire. Prescript, ça va. Donc, je vais aller de nouveau ma page ici. Je vais faire Foulen. Je vais choisir là. Ok. On va mettre Tennis là. L'email. At. Point Abdel Majid. At Gmail. Téléphone, je vais faire save. Donc en principe, il a sauvegardé. D'accord? Donc si je vais ici, ça y est, là, il a sauvegardé. Voilà, donc les données sont sauvegardées dans ma collection qui s'appelle étudiant. Si je reviens et je fais. Je vais faire, par exemple, n'importe quoi, Mohamed, prénom Ali, la date de naissance masculin, on va faire sous, email, téléphone, si je fais save, il va sauvegarder, si je fais donc comme ça, je fais reset, il va être reset, ça ne marche pas. Ok, on va voir pourquoi ça ne marche pas le bouton reset. Ok, mais ok, donc là, ça va. Donc en principe, pour le bouton reset, j'ai supprimé la méthode. Apparemment, j'ai supprimé la méthode.
on va aller dans patient, component, HTML, en principe, si je clique, c'est ça. Ctrl-C, on va aller dans éditer un component. J'ai pas fait ça, donc on va ajouter la méthode reset. Reset. Comment j'ai appelé la méthode ici? La méthode, comment je l'ai appelée dans mon component? Ctrl-V. C'est reset form. Étudiant. Donc, je vais prendre CTRL-C, je vais aller là, CTRL-V, là, je vais mettre ça va. Donc on va voir ce qu'il a inséré les données là. Vous voyez là qu'il a inséré les données. Ok. Donc si on récapitule, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé une entité qui s'appelle étudiant. Puis nous sommes allés, on a créé notre service là. Étudiant service là. Pour le moment, on a ajouté une seule méthode parce que la méthode get, on n'a pas encore utilisé ça. On va l'utiliser dans mon prochain vidéo là. Donc, on a utilisé seulement la méthode add. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un projet au niveau de Firebase. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a créé notre formulaire là. Étudiant. Component, donc là c'est mon interface, et là c'est chez TypeScript qui va agir avec entre les étudiants component et notre service. Donc là on a instancié la classe, là on a utilisé notre service, là, ingénierie, donc, étudiant, niveau étudiant, là, c'est le add étudiant, et là, c'est la méthode reset form. D'accord? Donc, je pense que c'est clair.